Je vous propose, sauf s'il y a des questions urgentes que j'appellerai de clarification, que nous donnions tout de suite la parole à M. Louis Roy, notre philosophe. Pas de questions, on continue ? D'accord. Et après, évidemment, on ouvrira le débat. Louis Roy mérite d'être présenté. Quand on aborde des questions difficiles, notamment la laïcité à la française avec les textes, il n'y a rien de tel qu'un Québécois pour venir nous expliquer comment on doit voir les choses un peu de l'extérieur. Un peu de distanciation, un peu de recul, un peu d'accent de la douce province ne font pas de mal. Donc je donne la parole à Louis Roy. Il est écrivain d'un ouvrage remarquable, donc il est philosophe. Il a publié « Éthique médicale, l'engagement nécessaire », que je recommande, dont je recommande la lecture. Dépêchez-vous parce qu'on en trouve plus facilement. La première illustration, c'est qu'on a voulu en avoir une pile. Vous auriez pu avoir une dédicace sur place. Eh bien, figurez-vous qu'il faut les faire venir de loin, donc on ne les a pas reçus. Donc c'est dire que si vous le trouvez en librairie, prenez-le. C'est un sujet important qui a été travaillé par Louis Roy sur l'éthique médicale, l'approche qu'il a choisie de son sujet. C'est une chance de l'avoir parmi nous, même si maintenant il contribue aux travaux de l'Université catholique de Lyon, donc il n'est plus si loin. En tout cas, c'est une chance. Merci Louis. J'ai le casque, est-ce que vous m'entendez bien comme ça ? Parfait. Merci beaucoup, professeur Chapuis. Je vois qu'il y a des auditeurs derrière qui hésitent entre la sortie et l'entrée. Vous pouvez entrer, installez-vous, vous installez. Non ? Vous ne voulez pas que j'attire l'attention sur vous ? Bien. Merci beaucoup d'être là. Je remercie particulièrement le professeur Chapuis, le comité d'éthique, l'espace éthique Rhône-Alpes, et les organisateurs du DU, l'équipe entière, pour m'avoir invité à parler de la laïcité dans les soins. C'est une question effectivement assez difficile, surtout par les temps qui courent, et j'essaie d'en traiter d'une manière un peu particulière. Il aurait été plus naturel que je vienne vous parler de sirop d'érable, parce que la laïcité à la française abordée par un Québécois, c'est un peu particulier, mais enfin je vais me prêter à l'exercice si c'est possible. Donc, il m'a été demandé de parler de la laïcité dans les soins. Donc, je tiens tout de suite à préciser que je ne suis pas théologien, même si j'exerce à l'Université catholique et aussi dans d'autres écoles d'ingénieurs. Je ne suis pas non plus... Je suis pas mal, je suis pas grand-chose, finalement. Je ne suis pas théologien, je ne suis pas juriste, je ne suis pas journaliste. Et je ne suis pas polémiste. J'espère que ça ne va pas vous décevoir, mais mon propos n'est pas particulièrement polémique, bien que je crois qu'il soit engagé. Parce que, à mon sens, l'exercice de la médecine et l'exercice des soins est une chose qui implique un engagement. Et le titre « L'engagement nécessaire » est un peu paradoxal, puisque un engagement repose sur un acte de volonté. C'est une décision libre et consentie à soi-même, alors que la nécessité renvoie à l'ordre des faits à ce qui ne peut pas ne pas être pour les philosophes qui connaissent ce jargon. Donc, l'engagement nécessaire, ça signifie en fait qu'on ne peut pas véritablement, à mon avis en tout cas, mon propos n'engage que moi, on ne peut pas exercer dans les soins, dans les métiers de la santé, sans défendre ipso facto un certain nombre de valeurs, une certaine vision du monde et éventuellement de l'humanité. Donc, je suis un peu philosophe et je vous parlerai aujourd'hui en tant que tel. Je vous parlerai aussi en tant que concitoyen, éventuellement en tant que bénéficiaire de vos services, puisqu'il m'arrive parfois de vous visiter sous cette étiquette. Donc, j'ai bien compris que... est-ce que ça va fonctionner avec cette souris-là? Ou celle-ci? Non? Je cherche la souris qui me permettrait de faire changer la diapo. Désolé. Je n'y arrive pas. Comment peut-on faire ? Il faut cliquer. Ah, non ? D'accord. OK, ça marche. Donc, si on pose la question de la laïcité dans les soins, et si vous êtes vous-même interpellé par ces questions-là, par les questions de valeur, par les questions d'éthique, c'est parce que les situations de soins sont constamment traversées par la question du sens, par la question des valeurs, par la question qui sont relatives
aux religions, aux cultes et même aux philosophies. Parce que la philosophie n'est pas neutre, bien qu'on puisse éventuellement le prétendre. La loi de laïcité ou la laïcité dans l'école, pour ne pas contredire le professeur Calu, stipule bien que la neutralité de l'école doit concerner aussi les opinions politiques et philosophiques des enseignants. Donc la laïcité, ça semble être a priori la neutralité, mais en fait, on sait bien qu'il y a déjà un problème puisque les soins eux-mêmes sont continuellement traversés par des questions de sens et la laïcité et l'éthique sont par conséquent toujours mises à contribution, voire sollicitées en porte-à-faux. Donc depuis quelques années, les journaux relatent des faits qui attestent que la religion s'immisce dans les hôpitaux. Donc, la religion s'immisce dans les hôpitaux. J'ai trouvé que le verbe s'immiscer était particulièrement éloquent, quitte à y créer quelques désordres. Donc, lorsque la religion s'immisce dans les hôpitaux, il me semble que tout est à craindre, hein, que c'est un petit peu le ver dans la pomme, parce que ça signifierait que du jour au lendemain, l'hôpital ne serait plus neutre. Et l'hôpital, orienté sur un certain nombre de valeurs, serait susceptible de nous traiter d'une manière inégale. Et donc, c'est effectivement un grand danger qui nous guette. Mais les journalistes ont vite fait de monter des polémiques autour de faits qui sont en vérité de véritables faits de société et dont on ne doit pas obligatoirement craindre le pire. La question de la laïcité est évoquée donc par des journalistes qui veulent faire de l'audimat. Malheureusement, elle est plus rarement envisagée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un principe, même si elle n'est pas définie, hein, c'est évidemment une déduction, c'est un principe néanmoins, la laïcité est un principe qui tend à permettre le vivre ensemble. Hein, c'est vraiment une question donc, de politique, de république et de démocratie, donc permettre le vivre ensemble tout en respectant le plus possible les libertés individuelles et ici, bien sûr, la liberté de conscience. Donc la laïcité, c'est un principe qui tend à faire coexister ensemble un certain nombre de valeurs morales et religieuses dans un espace public où la tolérance sera sollicitée comme arbitre. La laïcité dans les soins, c'est la préoccupation quotidienne, c'est votre préoccupation quotidienne sans aucun doute, des professionnels qui sont soignants ou enseignants, mais très généralement soignants, dont la mission est de rencontrer l'altérité. Donc on rencontre des gens qui sont porteurs de valeurs, qui sont porteurs de sens et de croyances, et on rencontre des gens qui portent cette altérité au plus profond d'eux-mêmes et dans leur dernier retranchement, lorsqu'ils sont confrontés à se poser des questions qui parfois ne se posent pas hein, dans la vie ordinaire, donc dans ces derniers retranchements, sans pour autant renoncer à l'idéal d'humanité universelle. Donc il y a une tension ici, évidemment, entre rencontre de l'altérité, la singularité de chacun de nous et notre humanité universelle. Au moins deux grands dilemmes, à mon avis, traversent la question de la laïcité dans les soins. Donc, premièrement, un dilemme oppose globalement l'universalisme et la diversité. Donc, la question se pose, en fait, de savoir comment concilier la vision universaliste et rationnelle de l'humanité avec les particularités individuelles, culturelles et cultuelles. Un deuxième dilemme se pose, à mon avis, qui oppose ici le respect des libertés individuelles, le respect de la liberté de conscience et l'intérêt thérapeutique. Comment orchestrer les contraintes techniques et administratives des soins avec la diversité des consciences et le respect des cultes? On a ici des questions pratiques, des questions qui, me semble-t-il, renvoient à la vie quotidienne et réelle des soignants. Donc, mon propos aujourd'hui va tenir en trois ou quatre objectifs, trois ou quatre visées. Donc, premièrement, je vais essayer d'expliquer, je voudrais bien en tout cas y parvenir, que la laïcité, ce n'est pas, contrairement à ce que l'on entend le plus fréquemment, ce n'est pas l'asepsie des consciences, hein, ce n'est pas la désinfection des esprits. Comme s'il fallait décontaminer les esprits de leurs dogmes et de leurs préjugés, mais bien plutôt ce qui permet la véritable vie des consciences. Une conscience aseptisée est une conscience morte. Une conscience vivante est forcément porte les germes hein, de dogmes et de préjugés.
Donc la laïcité est ce qui permet cette vie des consciences. C'est ce qui permet la liberté des consciences. La laïcité, à mon avis, c'est ce qui permet aux consciences de se doter des dogmes qui donneront un sens à la vie, à la souffrance et à la mort. Donc, il faut pouvoir donner un sens à la vie, à la maladie, à la souffrance et à la mort. Deuxième objectif, j'aimerais aujourd'hui contribuer à ce que on trouve quelques solutions à nos problèmes. J'espère que je pourrai y contribuer. En général, les philosophes posent des problèmes et n'apportent pas beaucoup de solutions, posent des questions. Donc, évidemment, j'en pose toujours plus que de réponses. Mais malgré tout, j'espère qu'au travers de mon propos, au travers des éclaircissements et les interprétations que je vous propose, vous verrez peut-être quelques solutions. J'aimerais bien vous aider à trouver des réponses aux tensions qui traversent la vie quotidienne de vos activités. Troisièmement, pour les cas les plus difficiles, et c'est souvent le cas, les cas les plus extrêmes sont souvent ramenés justement sur la scène médiatique, j'aimerais rappeler ou faire prévaloir en tout cas que la liberté de conscience est une chose magnifique, mais qu'elle est obligatoirement doublée d'une responsabilité de la conscience. Et la notion de responsabilité de conscience, à mon avis, elle est sous-utilisée. Elle n'est jamais évoquée et on n'en parle jamais. On est dans une logique, à mon sens, beaucoup trop paternaliste à l'égard de la conscience. Et je crois, en filigrane, que l'esprit positif des sciences médicales tend malheureusement à aseptiser la dimension spirituelle des soins. Enfin, donc, je serais heureux, si je pouvais, semer quelques doutes dans vos esprits aussi, poser quelques questions qui pourraient être fécondes pour l'un ou l'autre d'entre vous qui aurait l'intention de commencer un DIU en éthique en santé. Donc, si c'est le cas, je serais vraiment très content. Donc, premièrement, alors j'ai quelques étapes comme ça dans ma réflexion. Je pense que j'en ai 5 ou 6. Donc, ça ira très vite. Premièrement, deuxièmement, troisièmement. Donc, premièrement, dans ce qui compte pour moi, c'est d'affirmer que l'acte de soigner n'est pas axiologiquement neutre. Donc, le mot axiologique semble un peu savant, mais en fait, l'axiome, c'est l'élément de base. Ça signifie ici que prendre soin, c'est déjà chargé de valeur morale. Ce n'est pas neutre du point de vue éthique. Selon les cas, on soigne par sympathie, vous vous reconnaîtrez peut-être, par empathie, par amour, par amitié, par solidarité. On peut soigner par devoir, par intérêt, par curiosité. Rien n'empêche de soigner autrui pour des valeurs religieuses. Rien n'empêche de soigner autrui pour se sauver soi-même, pour gagner son paradis ou pour purifier sa propre âme. De manière plus anthropologique, je l'ai déjà souligné, je l'ai défendu dans l'engagement nécessaire, le soigner est un acte profondément humain qui participe du triple refus que nos ancêtres ont commis dès les origines. Donc, nos ancêtres, les humains, non pas les Gaulois, c'est plus ancien que les Gaulois. Nos ancêtres, les premiers hommes, ont refusé 3 choses, à mon sens. Ils ont refusé la sélection naturelle, en inventant la technique et en échappant le plus possible à la prédation. Ils ont refusé la souffrance, en soignant leurs blessés, en essayant de les réconforter, en leur chantant des chansonnettes, histoire de les distraire, pour éviter qu'ils ne crient trop fort. Et le refus de la mort, enfin, en soustrayant les corps à la putréfaction et aux assauts des charognards. Donc, ce triple refus, sélection naturelle, souffrance et mort, traduit les valeurs anthropologiques du soin. L'acte de soin est toujours une transgression. Sauver une petite souris de la gueule d'un chat, c'est contrevenir à la loi de la sélection naturelle. C'est une question que se posent tous les enfants de 7 ans aux prises avec un tel problème. Je ne sais pas si vous en avez connu, si vous-même avez eu ce dilemme, faut-il sauver l'oiseau? Est-il plus naturel que la souris, je vais parler d'une souris, la souris meurt ou que le chat ait faim? Si vous vous posez cette question, c'est que déjà, l'ordre des choses ne vous semble pas toujours aussi juste et qu'il faut parfois y contrevenir pour réorganiser le monde. Autrement dit, ce qui est de nature n'est pas forcément de justice. De toute évidence, nos ancêtres ont résolu assez rapidement ma question d'enfant. Et la réponse est claire. Ce n'est pas parce que je serai blessé à la chasse aux mammouths
qu'il sera juste que je sois abandonné à mon sort sur le lieu de la chasse. Quand on ramène un camarade blessé de chasse, quand on nourrit un malade, quand on enterre un mort, c'est l'humanité tout entière que l'on soigne. On décide qu'il est plus juste, bien que contre nature, de soustraire son camarade à la mort que de l'y laisser. On décide qu'il vaut mieux qu'il soit sauvé que d'être dévoré par les charognards. L'être humain refuse l'ordre des choses. C'est le propre de son humanité. Il soigne, il soutient, il inhume. J'affirme que la première humanité est une humanité de soins. Sans quoi, elle n'aurait pas été humaine. C'est une sorte de pléonasme philosophique, un sophisme, un paradoxe irrésolu que l'on essuie toujours par une croyance ou par un mythe. Croyance en l'Éden, la destitution de l'Éden, croyance en la chute des anges, croyance en Prométhée sur le mont. On explique toujours comment l'humanité a été condamnée à la lutte par un mythe ou une croyance. De là, on peut conclure que soigner, c'est porter des actes, des valeurs et des croyances. C'est porter, en actes des valeurs et des croyances. Ce sont des valeurs que l'on dit humaines, globalement, comme l'on dit d'un soignant qu'il est humain, visiblement pour lui faire un compliment. Mais je ne sais pas si c'en est un, obligatoirement. Ces valeurs humaines sont les valeurs de solidarité, de justice, de respect, de gratitude. En soignant, nous entérinons notre croyance en ce que le monde n'est pas parfait et que nous pouvons le corriger. En soignant, nous corrigeons le monde, nous nous autorisons à le rendre meilleur. D'une manière générale, soigner, c'est affirmer que l'homme vaut la peine qu'il se donne à survivre. C'est affirmer que la santé et la vie de l'homme vaut mieux que la maladie et la mort. C'est croire que l'homme vaut, tout simplement, parce qu'il est humain. Croire cela, ce n'est pas neutre. C'est un engagement. C'est une profession de foi, comme dirait l'autre. Deuxièmement, le sorcier, le prêtre et le médecin. Les premiers actes de soins n'ont pas dû être très efficaces du point de vue thérapeutique. Cependant, le plus simple d'entre eux, soutirer un cadavre à la prédation par exemple, est un acte subversif du point de vue de l'économie naturelle. L'économie naturelle veut que rien ne se perd, rien ne se crée, et que dans le grand recyclage de la vie, les défunts servent de nourriture aux vivants. Il faudra bien en effet que cet animal trouve ailleurs de quoi se nourrir. Et il sera conduit vers d'autres proies qui autrement auraient été tranquilles. Soutirant la souris de la gueule du chat, c'est un oiseau qui sera mangé. Donc pour ma petite histoire d'économie naturelle, ne me dites pas qu'il peut manger des croquettes, s'il vous plaît. Dans mon histoire, il y a un chat, une souris, un oiseau, et il n'y a pas d'autre solution. Dès lors qu'on intervient dans l'ordre des choses, donc, on produit un désordre. Et on a vite conscience que ce désordre, ponctuellement à notre avantage, pourra très bien devenir un plus grand mal plus tard. On ne joue pas impunément avec le feu. C'est pourquoi le soignant primitif devient rapidement un sorcier chaman. Pour moi, le chaman est une fusion de médecin et de prêtre. Il s'autorise à produire un désordre en prenant soin, autrement dit, en sauvant un patient de la mort, en enlevant un cadavre à la prédation des charognards. Donc, il produit un désordre, mais il ne le fait que parce qu'il sait aussi manipuler les effets de ce désordre. Dans son activité, le chaman soigne aussi bien le malade que les forces et les dieux qu'il contrarie par son action de soin. Il gère un individu dans un écosystème plus large. Il inclut récits, mythes et croyances. Le sorcier chaman est un économiste diplomate de la conscience. Économie naturelle, diplomatie avec les dieux.
Il sait ce qu'il en coûte et il sait ce qu'il en retourne. Il fera les incantations et les sacrifices nécessaires au rétablissement de l'équilibre global. Il pratique une médecine, pour ainsi dire, intégrale ou cosmique. C'est une médecine qui guérit très peu, certes, mais c'est une médecine qui soigne. Et elle soigne aussi bien le malade que l'univers lui-même. C'est une médecine ontologique. Elle est intégrée, inscrite au cœur de notre humanité. Depuis cette émergence primitive et tout au cours de l'histoire, médecine et religion ont toujours été très liées. Les médecins égyptiens étaient surtout des prêtres. Chez les Grecs, les médecins sont les descendants d'Asclépios, à qui on voue un culte aussi bien aux dieux qu'aux médecins eux-mêmes. Dans la chrétienté médiévale, le vent tourne en défaveur des médecins, bien sûr, en faveur des prêtres, mais les activités médicales sont toujours associées à des forces surnaturelles qui deviennent ici sataniques. La maladie et le péché sont tant et si bien liés que le prêtre et le médecin commencent à se disputer des compétences. La maladie prend ici le visage de la justice divine et l'on se demande de quel droit l'on pourrait intervenir dans l'ordre de Dieu. Encore une fois, c'est une question que l'on se pose à 7 ans. En tout cas, moi, je me la suis posée à 7 ans. J'ai peut-être un peu précoce. Est-ce mon destin d'être malade et de mourir maintenant? Dois-je lutter contre la maladie et la mort qui me guettent? Quelle faute ai-je commise pour mériter un tel sort? Qu'ai-je donc fait au bon Dieu? Disait ma mère. Aurait-on eu l'idée dans un tel contexte de délier les soins du corps de ceux de l'âme? Non. Le corps et l'âme sont intimement liés. Jamais on aurait eu cette idée. Il faudra attendre pour l'avoir la fin du 19e siècle. La médecine scientifique et la sécularisation. Donc en anglais, on dit, pour traiter de la laïcité, on parle de secularism. C'est sécularisation en français. Je ne sais pas si ça existe. J'en ai parlé à mes amis canadiens récemment. Ils m'ont dit, mais c'est quoi la laïcité? Je dis, c'est secularism. Ils disent, ah bon, je ne savais pas que secularism, c'était laïcité. Et pour eux, la sécularisation, c'est l'esprit positif. Hein, c'est l'avènement progressif de l'esprit positif. Ce n'est pas le retrait de la religion. Mais pour nous, ça l'est. Jusqu'à très récemment, la santé, comme d'autres tâches ingrates, comme l'éducation ou l'instruction civique, publique, pardon, pas civique, était laissée aux communautés religieuses. Donc, on a laissé le soin, aussi bien que, donc l'hôpital aussi bien que l'école, aux communautés religieuses. Le processus de sécularisation, donc on va nommer, nous, laïcisation, donc ce sont des néologismes qui sont très moches, mais qui veulent bien dire ce qu'on a envie qu'ils disent. Donc, le processus de laïcisation des hôpitaux a commencé dans le dernier tiers du 19e siècle, c'est-à-dire sous la Troisième République, à partir de 1870. Ce processus s'est poursuivi tout au long du 20e. Il y a 100 ans seulement, enfin, ou 100 ans encore, ça dépend des points de vue, on trouvait des religieux à tous les étages des hôpitaux et dans toutes les écoles. Aujourd'hui, on les retrouve parfois seulement à l'aumônerie, l'hôpital. Pourquoi avoir chassé cette main-d'œuvre compétente et dévouée de nos services? Économiquement, c'est une énigme ou une aberration. Philosophiquement, par contre, c'est une histoire passionnante. Pour la comprendre, je vous invite à lire ou à relire « La naissance de la clinique » de Michel Foucault. On y comprend bien que le passage d'une médecine qui soigne à une médecine qui guérit implique une forte intervention de l'État dans l'organisation des soins et des hôpitaux. On voit bien pourquoi la Nouvelle République universaliste, dont la principale richesse est la santé de ses concitoyens, ne peut pas laisser les soins au hasard des bonnes volontés et au clergé soignant. La visée universaliste de la République n'est donc pas étrangère à la laïcisation des soins. Les valeurs républicaines telles que l'égalité des sexes, l'égalité des peuples, la liberté des personnes, trouvent leur origine très certainement
dans l'histoire des idées, mais surtout dans la nouvelle confiance que l'on accorde à la fin du 19e siècle en la raison universelle. La raison en lettres capitales. Claude Bernard déjà, mais un peu plus tard, je l'ai retrouvé avec un certain sens de la formule dans un avis du CCNE lui-même, le CCNE donc, résume l'esprit positif et séculaire du XXe siècle. Ce qui n'est pas scientifique n'est pas éthique. De là, on n'est pas loin de penser que ce qui n'est pas éthique n'est pas scientifique, ou de croire que la raison scientifique est éthique. Et qu'en dehors de ce qui est rationnel et scientifique, point de salut, la laïcité est la religion du positif. On sait que la productivité intellectuelle et scientifique du XVIIIe siècle accomplit de nombreux prodiges. Ces prodiges génèrent à leur tour un optimisme dans le progrès de la science. Et c'est bien et bien la raison, en lettres capitales, qui préside à tous ces bouleversements. On est de plus en plus certain que l'ignorance est la source de tous nos maux, la source de l'obscurantisme, la source du fanatisme, la source même de tous les conflits. On est bientôt persuadé, malgré saint Thomas, qui s'était évertué à démontrer le contraire, que la foi elle-même est irrationnelle et fruit de l'ignorance. Nous sommes nombreux à penser, en tout cas, nombreux sont les gens autour de moi à penser que les croyants sont des êtres irrationnels, qu'il n'y a pas de compatibilité possible entre un esprit scientifique et un dogme religieux. Il faut bien être ignorant pour se vouer à un culte ou à un autre. Quatrièmement, ce que j'appelle le retour des croyances. Le retour des croyances ou, si l'on préfère, la re-chamanisation. J'aurais dû mettre un re. Il y a encore un néologisme barbare de mon cru. La re-chamanisation du soin. Il me semble que nous pouvons toujours questionner, malgré sa neutralité apparente, les valeurs que la médecine clinique met en œuvre au quotidien. Nous sommes en droit de lui demander une explication sur son sens, sur ses fins, sur le projet qu'elle poursuit, sur les raisons qui justifient son intervention ici et là. Au cours de la Troisième République, l'hôpital est au service de l'idéal républicain, c'est clair. Sa mission est de faire en sorte que l'égalité déclarée devienne une réalité de fait. Donc il faut que l'on passe de la déclaration au fait. Il faut que les choses, pour être réelles, deviennent concrètes. D'accord ? Il faut les concrétiser. Donc ça, c'est vraiment très important. Pour cela, donc, il fallait une égalité d'accès aux soins. Il fallait que l'on puisse être soigné indépendamment de sa condition sociale. Il fallait que nous puissions être soignés indépendamment de sa conscience, indépendamment de son culte, hein, ou de sa religion. Donc, c'est une citation de Michel Foucault, un peu tronquée, il est vrai, parce que Michel Foucault fait de longues phrases. La première tâche du médecin est donc politique. L'homme ne sera totalement et définitivement guéri que s'il est d'abord libéré. Vous voyez dans cet idéal républicain et révolutionnaire quelque chose qui tend à assimiler religion et maladie. Le croyant souffre d'un pathos qu'il faut affranchir. L'hôpital est donc un lieu de liberté et on en est certain, il n'y a pas de liberté dans le dogme religieux. Nous ne soignons plus par charité chrétienne et c'est bien heureux. Nous soignons désormais par solidarité républicaine et l'égalité prévaut. Nous ne bâtissons plus le royaume de Dieu, mais l'idéal républicain. Libérer l'homme de la maladie, c'est aussi le libérer de la religion et de l'ignorance. Libérer l'homme de la maladie, c'est travailler à faire de lui un être rationnel, à remplacer le croire par le savoir. Comme si l'on était malade que par ignorance.
l'histoire et le progrès de la raison ne s'est pas tout à fait développé comme prévu. À la fin du XXe siècle et en ce début du XXIe, plutôt que de voir fleurir la vertu civique, on constate l'hypertrophie de l'individualisme. Plutôt que de voir fleurir, triompher la raison universelle, on assiste à l'émergence des communautarismes. Du communautarisme. Plutôt que de vouer un culte à la médecine scientifique qui guérit, on lui oppose toutes sortes d'alternatives, de médecines alternatives, plus ou moins farfelues. Pourquoi de telles déconvenues? De très nombreuses questions se posent avec acuité, sans que la raison seule ne puisse y répondre. Nous n'avons jamais été plus conscients qu'aujourd'hui que la personne est à prendre dans sa globalité. Or, malgré cette médecine holistique, nous insistons toujours sur la dimension curative des soins, sans nous soucier du sens que cela peut avoir pour l'individu. Nous savons le faire, mais nous n'en savons toujours pas le sens. Nous savons bien au fond que le chat devra bien chasser, souris ou oiseau, mais nous ne savons pas quoi en penser. Est-ce bien, est-ce mal? Nous préférons suspendre notre jugement. La médecine sécularisée répond, très souvent, il faut sauver la souris, il faut sauver l'oiseau, il faut nourrir le chat. Le plus souvent, la médecine laïque ne répond pas. Ainsi, elle ne s'inscrit plus dans le projet révolutionnaire de la Troisième République. Elle ne s'inscrit plus dans un projet de libération de l'homme, dans une contre-tyrannie de la nature ou de la politique, mais elle s'inscrit plutôt dans une société de consommation qui confond le savoir et le pouvoir. Donc, je sais, je peux, tout aussi bien que le désir et le devoir. Je veux, je dois. Le projet n'est plus de libérer les hommes, mais de satisfaire le client, tout en ménageant autant que possible le budget de la Sécu, ce qui ne relève pas de l'économie naturelle, mais de l'économie tout court. Pourquoi cette absence de réponse serait-elle nocive? Nous savons bien que les pseudo-explications que nous donnons aux patients que nous guérissons ne donneront pas un sens à la vie, à la souffrance et à la mort. Alors, il vaut mieux se taire et se prétendre axiologiquement neutre. La question des fins est indifférente aux analyses sanguines. Ou le contraire, les analyses sanguines sont indifférentes à la question des fins. Pire encore, quand la médecine sécularisée n'est pas silencieuse, elle est indifférente à la question des fins. Je suis médecin, pas chaman. En fait, je ne suis pas médecin, mais si vous êtes médecin, vous pouvez dire « Je suis médecin, je ne suis pas un chaman ». Les questions cosmiques ne sont pas de mon ressort. Il est vrai que le médecin d'aujourd'hui n'est pas le chaman d'hier et je ne vais pas souhaiter qu'il le devienne. Hein? C'est évident. Je suis bien content que la médecine soit positive et qu'elle guérisse plus qu'elle ne soulage vaguement en chantant des chansons. Mais je crois que c'est une chose nocive de ne pas répondre à la question du sens. Pourquoi ? Bien, premièrement, parce que être indifférent à la question des fins, c'est être indifférent à l'axiologie médicale elle-même. Ne répondons pas à la question « pourquoi nous soignons ?», nous renonçons aux valeurs qui sont implicites à l'exercice médical. Ne rien dire, c'est dire qu'en dehors de la rationalité scientifique, tout se vaut. Ou c'est dire inversement « il n'y a que la rationalité scientifique qui vaille ». Parce que, deuxièmement, ne pas répondre, c'est mettre sur le même pied toutes les pratiques,
croyances et idéologies justifiant les plus agressives aussi bien que les plus saugrenues. Ne pas répondre, c'est condamner le malade à trouver lui-même un sens à sa maladie, à sa thérapeutique, à son rétablissement, et qu'à défaut de le trouver chez son médecin chaman, eh bien, il le cherchera dans le grand supermarché contemporain des spiritualités. Au grand mépris de la visée universaliste de la laïcité, on fait ainsi le lit de toutes les croyances. On verra se multiplier les particularités individuelles et communautaires, qu'elles soient alimentaires, vestimentaires, culturelles, religieuses, etc. Toutes seront également légitimes. Toutes empoisonneront la visée universaliste de la médecine scientifique. Et la médecine scientifique, la laïcité, la République elle-même, ne seront plus que des valeurs parmi d'autres, une vision du monde égale à celle de tous les autres. Même pire, la vision républicaine du monde, universaliste, eh bien, puisqu'elle est largement partagée et enseignée dans nos écoles, elle n'est même pas une position originale. Elle est même ringarde sur certains aspects. Vaudrait mieux se distinguer en ayant quelques particularités. Donc, tout cela empoisonne la visée universaliste. La chamanisation des soins, aujourd'hui, pour moi, c'est la présence autour de nous de toutes les alternatives à la médecine scientifique. C'est le recours à toutes sortes de gris-gris, remèdes, incantations qui ne sont en fait que l'expression d'un besoin de sens. Ce besoin primitif, archaïque, de rétablir le patient aussi bien que le cosmos, que le rétablissement de ce patient déstabilise. Besoin archaïque d'une bénédiction à être vivant et en santé. Besoin d'un sens à la lutte. Besoin d'une transcendance à la souffrance, d'une consolation à la mort. Cinquièmement, devant toutes ces croyances, je peux être tenté de penser qu'être laïque, c'est surtout ne pas les trier. Je suis laïque lorsque je pense que toutes les croyances se valent également et que l'on doit mettre sur le même pied d'égalité le gourou farfelu, le théologien éminent, le scientifique émérite. Tous sur le même pied, tous incapables ou également capables de donner un sens à ce qui se produit autour de moi. Mais en fait, c'est une erreur fréquente que de penser que la laïcité est une absence de jugement ou une retenue. La laïcité, en fait, est devenue licencieuse, à mon avis, par dérive et par négligence. La laïcité n'est pas le berceau du relativisme moral et spirituel. Ce n'est en aucun cas une licence pour croire n'importe quoi. En renonçant à dire le sens des choses, la laïcité et la médecine sécularisée ne disent pas « tout se vaut ». Elles disent simplement que ce n'est pas de leur ressort. On admet noir sur blanc l'adage augustinien suivant lequel on peut contraindre les corps, mais on ne pourra jamais contraindre les âmes. On renonce à dire pour tous ce qui relève de la conscience de chacun. En toute conscience, croire aux ovnis ou à un monothéisme dominant ne dire rien sur la vérité des choses. Tout au plus, cela trahit la cohérence de mon esprit et la profondeur de ma spiritualité. Si je suis libre de ma conscience, je suis aussi responsable de ma croyance. La laïcité ne juge pas de spiritualité indigne. Elle laisse à chacun la liberté et donc aussi la responsabilité de sa propre spiritualité.
Ainsi, la liberté de conscience n'est pas seulement la liberté d'adhérer à une spiritualité ou à une autre, c'est surtout celle de la choisir ou de la rechercher pour soi-même. C'est la liberté d'adhérer ou non à une religion, à celle de sa naissance. C'est la liberté de pratiquer ou non un culte ou un autre. C'est la liberté de changer d'avis, d'approfondir, de revenir et de poursuivre une quête spirituelle dont je suis le héros, dont je suis responsable. Être laïque, ce n'est pas ne pas avoir de religion. Ce n'est pas non plus une religion, celle de la laïcité, hein, celle de la neutralité, le culte de la neutralité. Être laïque, dans le sens de la sécularisation, c'est admettre que nul ni personne ne peut ni ne doit se voir imposer des croyances par autrui. Je crois que les articles de droit vont dans ce sens aussi. Mais, à contrario, si nul ne me l'impose, eh bien, c'est que je me la choisis librement. Et à ce titre, j'en suis responsable. Donc, liberté de conscience implique responsabilité de conscience. C'est ce versant-là qui, me semble-t-il, est trop souvent négligé. Nous touchons donc un point essentiel. La laïcité, mal comprise, à mon avis, est un vide, un néant, une absence de croyance. Mais la laïcité, bien comprise, est un potentiel de croyance. C'est une liberté. Nous avons vu que la Troisième République s'efforçait de rendre concrets les grands principes de la Constitution. Eh bien, pour que la laïcité devienne concrète, pour que la laïcité bien comprise soit une véritable liberté, soit un potentiel, eh bien, il faut aussi lui en donner les moyens. On pourra toujours affirmer que nous sommes libres de nous instruire si les écoles sont closes ou si les frais d'admission sont trop élevés. Ce ne sera toujours qu'une liberté frauduleuse. Je veux dire par là que la liberté de conscience risque fort de n'être qu'un vœu pieux, littéralement, si de fait les aumôneries sont sans personnel et sans moyens, si de fait la documentation est absente de nos hôpitaux. Une liberté ou un potentiel implique des moyens de réflexion, voire un accompagnement à la réflexion spirituelle. Petite question, quelle est la proportion du budget accordé aujourd'hui à une aumônerie par rapport à celui accordé à un bloc chirurgical? Ce n'est certainement pas de l'ordre de 50-50. Je n'oserais pas espérer un jour que l'on prenne aussi bien soin des âmes que des corps. Mais il est évident que les aumôneries sont sous-représentées, soutenues dans nos hôpitaux. Sixièmement, il faudrait peut-être pouvoir appliquer la laïcité à la laïcité. On a bien compris qu'une certaine compréhension de la laïcité encourage un relativisme religieux. C'est parfois difficile à comprendre, mais l'égale liberté de croire n'implique pas l'égale valeur des croyances. C'est le relativisme qui nous paralyse et qui nous interdit de juger la spiritualité d'un autre sous prétexte de la laïcité. Mais rappelons le principe de responsabilité et rappelons que jamais je ne pourrai me réfugier derrière mes croyances et la laïcité pour mettre en danger la vie d'autrui, pour terroriser les gens ou pour les convertir. Je ne peux pas faire usage de la neutralité républicaine en faveur de ce qui la contredit. Puisque la laïcité est une liberté, elle n'est pas un bouclier qui nous met à l'abri de nos devoirs humains et civiques. C'est bien au contraire une chose fragile, une chose que l'on doit protéger, indépendamment de nos croyances, que nous soyons d'ailleurs croyants ou pas, puisque c'est par elle, la laïcité, justement, que je peux me prémunir de cette liberté.
Tous les traités sur la tolérance qui ont marqué l'histoire des idées butent sur cette difficulté et tentent avec plus ou moins de succès de le dépasser. On s'accorde aujourd'hui globalement pour dire que jamais la liberté de conscience n'est légitime à brimer la liberté de conscience. C'est un truisme, c'est une évidence. C'est dire que nous pouvons vivre ensemble en bonne intelligence sans nécessairement avoir recours à la tyrannie, l'inquisition ou le terrorisme. La loi 1905, dont on a eu une belle explication tout à l'heure, ne fait que consacrer ce parcours philosophique. Elle affirme que, dans le domaine de la conscience, nul ne dispose d'un point de vue privilégié. Nul n'est habilité à dire le vrai et nul ne peut prétendre la supériorité de ce point de vue. C'est dire, une fois de plus, que nous sommes égaux devant la liberté de conscience. Que je crois en l'existence de Dieu ou en celle d'extraterrestres, que je crois au dernier complot ou que je ne crois en rien du tout, tout cela n'altère pas la possibilité que je sois ou non dans le vrai. Nous sommes égaux, mais nous sommes égaux dans le vide. Puisque la question ici ne porte pas sur le contenu des croyances, mais sur la possibilité d'être libre de croire. Il faut donc rappeler, je crois, que la liberté et la laïcité offrent à la conscience un potentiel, mais qu'elle n'est pas en elle-même une spiritualité ou une réponse aux fins. La laïcité n'est pas et ne peut pas être une injonction à la rationalité. L'idéal universel auquel la laïcité réfère n'est pas un universel de raison abstrait, c'est un universel humain. La laïcité ouvre un espace à la spiritualité. C'est un lieu où peuvent se rencontrer des altérités dans un idéal d'universel. Enfin, j'avais sept points. Cette singulière universalité est bel et bien celle de l'humaine condition. En tant qu'être humain, j'ai besoin de bénéficier de la solidarité et de la protection des autres humains. J'ai bien besoin des soins prodigués par les hôpitaux. Mais j'ai aussi besoin de donner un sens à ma vie, à ma souffrance et à ma mort. Si je me permets d'intervenir dans l'ordre du monde, de changer les choses, de sauver l'oiseau ou la souris, c'est toujours au nom d'un ensemble de valeurs et de croyances dont je prends conscience, plus ou moins, et qui donne un sens à mon action. Être humain, c'est valoir le désordre que son existence produit dans le monde. Valoir, ainsi, c'est être digne. Et cette dignité humaine implique que nous ayons aussi pour nous-mêmes la liberté de réfléchir à son sens. Si, imbu de ma toute-puissance surhumaine ou divine, ou demi-divine, je prétends pouvoir sauver l'oiseau, la souris et nourrir le chat, alors je jette, pour ainsi dire, la laïcité avec l'eau du bain. Je profane quelque chose parce que j'affirme mon humanisme comme une croyance dogmatique et supérieure à tout autre. Je ne serais pas étonné qu'il y ait là la source de nombreux débats qui surgissent encore dans les différentes sphères de l'éthique, notamment autour de l'euthanasie, même après la loi de 2005. Si la laïcité est la stricte neutralité, alors il n'y a pas de place pour la laïcité dans les soins. Lorsque les soins sont vraiment laïques, ils sont aussi déshumanisés. Nous ne pouvons pas nourrir le chat sans sacrifier l'oiseau ou la souris. Pour que le geste médical ne soit pas simplement technique, pour que les hôpitaux soient des lieux de soins et non seulement des lieux de guérison,
ce qui est déjà très bien, hein, je ne le conteste pas. Il faut réinvestir la dimension spirituelle du soin et laisser à chacun, soignant et soigné, la liberté de croire en ce qui, pour lui, donne un sens à la chose. La laïcité dans les soins, ce n'est pas une affaire de neutralité, c'est une affaire de liberté. Mais encore une fois, la laïcité restera toujours un discours vide de sens si on la cantonne à n'être qu'une liberté sans effectivité. Sans les moyens d'un accompagnement spirituel, la liberté de conscience est une liberté pour le néant. Appliquer la laïcité à la laïcité, c'est rendre effective la liberté de conscience en réhabilitant la religion dans les faits. La religion est un fait. Ce n'est pas simplement une vue de l'esprit. Quel hôpital aujourd'hui dispose d'un service d'information spirituelle? Quelle formation, à part le DIU éthique en santé, bien sûr, forme le personnel soignant à un accompagnement spirituel? Qui d'entre nous s'offre les moyens d'être soignant et un peu chaman? Pour finir, je constate que vous avez chaud. Je pense qu'il fait un peu chaud. Je ne sais pas d'ailleurs si au nom de la laïcité, on pourrait réclamer une climatisation plus efficace. Ce n'est pas très catholique, je trouve, une telle chaleur. C'est infernal même, on pourrait dire. Conclusion, plusieurs. La laïcité dans les soins, ce n'est pas la neutralité de la médecine. Qu'on se le dise. J'espère en tout cas que je pourrai soutenir cette thèse encore longtemps. Deuxièmement, être soigné, c'est être rétabli dans son être, corporel bien sûr, mais spirituel aussi. Rétabli dans son être, dans son intégralité humaine. Troisièmement, la raison universelle n'épuise pas la question du sens. Quatrièmement, une médecine qui guérit mais qui néglige la spiritualité n'est pas une médecine qui soigne. Elle ouvre la porte à toutes les médecines alternatives, qui, elles, ne guérissent pas, mais soignent. Être libre de sa conscience, c'est aussi être pleinement responsable. Enfin, sixième conclusion, il faut appliquer la laïcité à la laïcité et donner les moyens de la vie spirituelle en milieu médical. On a vu tout à l'heure que l'État se refuse à subventionner le culte. Eh bien, c'est peut-être un débat à mener que de savoir s'il faudrait ou non faciliter, en tout cas, l'accès à des conseillers spirituels en milieu hospitalier. Et concrètement, j'avais promis d'être concret, je ne sais pas si j'y suis parvenu. Concrètement, les questions qui sont posées à la laïcité en milieu hospitalier sont nombreuses. J'en ai énuméré quelques-unes ici tirées de fascicules qui parlent de la laïcité en milieu hospitalier. On a parlé de la nourriture, du jeûne, des médicaments, des vêtements, des refus, refus de soignants, refus de transfusion, refus de vaccination, des dérives sectaires, donc du prosélytisme, du refus de soins, des certificats de virginité, circoncision, excision, hyménoplastie, procréation, etc. Le prélèvement d'organes, la pratique du culte à l'hôpital, etc. Toutes ces questions sont extrêmement concrètes et font le lit de la question laïque en milieu hospitalier. Eh bien, il me semble que les principes que j'ai voulu mettre en évidence ce soir contribuent en tout cas largement à désamorcer la dimension tragique et conflictuelle d'un bon nombre de ces réquisites. Il suffit d'informer le patient sur les risques qu'il encourt pour qu'il soit en effet, en toute conscience, libre de persister dans son culte ou non. On règle pas mal de problèmes, peut-être pas tous, conviendrez. À mon avis, les valeurs supposées communes aux soignants et à ceux qui ont recours à la médecine sont
Le respect de la vie, bien sûr, soit de sa propre vie. Le respect de la personne dans sa globalité, autant que possible. Le respect des valeurs de l'autre et de la liberté de conscience, c'est-à-dire de la laïcité. Donc, le respect du plan de vie de l'autre, le respect de son histoire, des choix qui l'ont mené là où il est aujourd'hui, le respect de sa personne, que je ne juge pas, le respect de l'autonomie et de sa responsabilité, bien sûr, et on ajoute de la vie amoureuse et affective, de la vie spirituelle. Si je respecte une personne, je dois la considérer dans toutes ses dimensions. Et je dois aussi être capable d'admettre que ses choix, qui ne me semblent pas rationnels, sont néanmoins les siens, et la laisser les assumer en toute responsabilité. Les pratiques culturelles, et non pas culturelles, qui contreviennent à ces valeurs et qui ne relèvent pas de la liberté de conscience, lorsqu'il est notoire que les personnes sont sous l'influence d'un gourou, d'une famille ou d'une communauté quelconque, lorsque, de toute évidence, les personnes ne sont pas libres de conscience, et qu'on contrevient à ces valeurs, les pratiques qui sont mutilatrices, liberticides, prosélytes ou discriminatoires, j'entends même sexistes, hein, discriminatoires, racistes et sexistes, eh bien, toutes ces pratiques ne doivent pas être respectées au nom de la neutralité. La laïcité n'est pas une neutralité. La laïcité ne peut pas tolérer qu'on menace le principe de la laïcité. La tolérance ne peut pas tolérer l'intolérable. Par conséquent, toutes ces pratiques doivent être poursuivies et condamnées, bien sûr, au nom de la liberté, de la tolérance et de la liberté. Elles doivent être condamnées au nom des valeurs que nous mettons en œuvre au cours de nos pratiques. Elles sont condamnées parce que la médecine implique un engagement pour l'humain. Je vous remercie de votre attention.